On doit bacabayo, mon bel amant. Calé. Tout le monde va prendre le poids. Chiano, en attendant, on pout le motumbo. Bienvenue dans la messe anglaise. Asseyez-vous et prenez place. Ici, c'est l'Onjoka. En fait, pas... welcome, ya. Yeah. Thank you, Vivica. Depuis moi, si tu peux, si tu me réfies pas, tu vas donc continuer. On ne va pas venir voler. On ne vole pas ici. J'ai bien choisi le secteur avant de... Parce qu'en village, tu gardes comme ça ton voiture, on va voler. Ouais, même en ville, là, non. Ici, c'est le terrain. Quand tu vois là-bas, Mbopi va revenir par ici. Lui, on va faire Mbopi là-bas. Là-bas, c'est la garnison. Même les brasseries vont rentrer par ici. Tout, toute la ville. Tu vois, je te montre plus. Ouais, je suis déjà fatigué, mm-hmm. C'est même comment. Maintenant, tada! On endème le quota pour faire l'onjoka. C'est mal l'onjoka. C'est pas qui veut mimba. Je vais les caca. Ça, c'est clair. Okay. Je te caca. Nous sommes en train de jouer pour pouvoir faire les caca. Nous, on ne fait pas trop les bruits. Hello everybody, this is Bebeka and my husband just got a new house. Je vous dis seulement que non, faut avoir les vrais gars. Un rasta construit. Mon rasta a construit. Hein? Cherchez quoi? Vous cherchez qui? Vous cherchez qui comment? Mais vous venez vous entrer comme ça seulement dans un chantier, vous cherchez qui? Toi c'est qui? C'est moi le chef chantier. Oh le chef chantier. C'est moi le chef chantier ici. C'est ici, c'est à moi qu'on demande tout. C'est toi le chef chantier? Oui. Ton chef dit qu'il veut voir le chef. Il dit c'est moi le chef chantier ici, monsieur. C'est moi. Hey, don't shout at my husband like that. What is it? C'est l'agression. Ici, on a travaillé les cadres dentés. Il dit c'est moi le chef chantier d'ici. Oui, il dit que je veux voir où est le chef chantier. Le chef chantier n'est pas là. C'est moi le chef chantier. Mon beau, c'est même d'avoir en Angleterre dehors. C'est moi le chef chantier ici. Bonjour, beau. C'est comment? Ah, ça va. Bonjour. Mais c'est qui cet animal comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois seulement le grand frère entrer. Et c'est ça qui te permet d'agresser les gens? Tu vois les gens entrer, subitement, tu viens, tu commences à les agresser, demander les cartes d'identité. Le chef chantier, je mettais seulement la sécurité, là. Ah, donc c'est lui le chef chantier. C'est lui le chef chantier. Mais tu m'as d'abord dit que c'est toi le chef chantier. C'est les consignes qu'on a. Hi. Donc il a laissé les consignes que tu dois prendre sa place. Donc il a pris ta place. Donc c'est comme ça ici maintenant. Je dis que le monsieur nous a agressé ici comme si nous sommes les bandits. On se retrouve au quartier avec tout ce genre de comportement. Non. Alors que vous êtes seulement là, vous êtes payé pour contrôler le gazon, les fleurs et tout ça. C'est votre travail ici. On ne vous a pas mis ici comme un gardien, monsieur. Ça va. On va gérer ça après. Bon, désolé, je vais vous montrer le chantier. Comment la piscine. Bon, et lui là, je ne veux plus le voir ici. Hein. Boss, désolé, je ne veux plus le voir chez moi. Boss, désolé, je vais voir comment je vais gérer son cas. Quelqu'un construit sa maison, tu viens l'interdire d'entrer. C'est quel manque de respect comme ça? Oh, franchement, tu ne peux pas manger l'argent de mon mari, non? Il a prévu une piscine là. Mm-hmm. C'est fini la chaleur du bois là. Et la chambre est nette en haut. Donc le jour qu'il fait chaud, c'est même bizarre. Tu sautes seulement de la fenêtre. Je vais apprendre à nager. Ouais, nager fais, ici. Tu vas faire les plombs. Oh. Les plombs. Ouais, ok, il y a le reste des finitions de la maison, la peinture. Moi, je dis que la couleur de ma peinture, c'est fesse rouge bébé prématuré. Oui, donc, j'ai noté ça. Oui, on va mettre un fesse rouge là-bas, en haut là. Fesse rouge bébé prématuré. Oui, fesse rouge, un peu comme les fesses rouges de bébé là. Oui. Une couleur unique. On va agencer tout ça.
ce sont eux qui m'ont fait disparaître un carton de carole. Effectivement, boss. J'ai pu gérer ça. Tu les as gardés pourquoi? Parce qu'ils font le bon travail. Ils travaillent bien, mais ils ont l'esprit d'application. Je ne veux pas un appliqueur dans mon chantier. Je ne veux pas. Oh. Ok. De toutes les façons, tu se perds, c'est toi qui vas payer. Oh. Il n'y a pas de souci, mon boss. Allons-y. Mais this is joli. Merci madame. Non, non, mes félicitations. Merci, madame. Ça fait de bon travail. Merci madame. Si tu n'es pas comme les gens de quelqu'un qu'on met dans le travail, ils mangent l'argent, ça montre que non, tu as fait de bon travail. C'est ici que je vais faire désormais mon barbecue. Ok, boss. On a mis une école d'internat ici, hein? Nos enfants vont partir à l'école ici. J'aime pas les gens qui disent souvent qu'ils ont l'argent là. Voilà, vraiment, comment on fait l'argent. Bon, boss, je vais donc vous laisser. Je m'en vais contrôler. Ok, okay. Ouais, tout à l'heure. Pourquoi tu peux partir? Ok, merci. Bye bye. Ah, Vika. Fais-moi un gros bisou. Calme-toi. Ça comment? Tiens, pourquoi même toi avec toi c'est la fausse non? Un peu de romantisme, voilà une grande maison que, qui dit que c'est derrière ma maison. Tu as changé mon adresse. Non, tu as changé. Dans les trucs, il faut s'agiter. Comment? Le métier de management, même le blanc ne connaît pas que j'ai un truc comme ça. Tu es mon mari, tu es intelligent. Oui, c'est le métier de management. Tu sais que ici au Cameroun, quand tu vois au système de management, l'artiste est maigri, le manager prend le poids. Lui-même, il n'a pas le trou. Est-ce que c'est qu'il manque? Ah, quand il y a le flat, c'est le manque. On part quelque part, il donne le whisky, on met le whisky, il boit. Il ne sait pas que l'inga qui donne les métis là, non. J'aurais le cerveau, c'est un jeu comme toi. Non, c'est pour, voilà pourquoi je suis venu prendre une femme au village pour la transformer.